commence. On n'est pas obligé, mais bon, ok, vas-y, go comme ça. C'est pas grave, on réfléchira des straps plus tard. Trigger. J'ai su de droite. Vas-y, vas-y, sauc. Et regarde bien les debuffs, dès qu'il est parti le debuff, tu sors. Là, tu sors. C'est bon. Oh. Et ça sera ça tout le fight. Ok. En fait, tant que t'es dans... Ok, j'ai compris comment fonctionnait la zone, c'était pas le cas avant. Gardien, 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 gardien. Je reste dedans. Hop, me casse. Je le ferai dans la mesure du possible. Il y a un keeper encore. Okay, je reste dedans. Je le ferai, hein, si c'est moi qui ai visé. Ah, ça va. C'est beaucoup plus simple pour moi au final. Il y a un keeper qui est super bon, hein. Il a pas les dots, enculé. Je reste dedans. Tu peux déplacer le boss ou absolument pas? Je peux rien sauc moi si je suis sur les keepers. Quoi, y'a autant de keepers là? Bah sauc pas, on s'en fout. Je pense qu'on le tape pas assez, ouais. Je veux bien me déplacer. Les keepers, les troopers ne sont pas des keepers. Ah, je reste dedans. Ok, vas-y. Ah ouais, toujours, t'inquiète. Il fait une interface là ou le truc ou... Peut-être. Je laisse tuer les keepers peut-être. C'est sympa à lui. Après j'ai pas de buff, c'est qui un peu relou, j'ai mal. Je vais rester dedans. Là je vous bloque. Pas maintenant là. Je reste dedans. En fait, ouais, j'ai compris comment fonctionner. Ah, mais il a perdu plein de vie, le boss, en fait. C'est comme ça qu'on tient. La dernière phase, moi, contre le maître loup. On est à deux stacks, par contre, là. On est tous un peu éloignés. Maintenant, il faut que tu veilles à sur les côtés. Et en fait, à chaque fois, il y a des zones qui vont pop. Il faut que tu sois sur les côtés, là. Absolument. Ah, faut que je sois sur les côtés. Oui. Parce qu'en fait, tu vois, on va remplir des zones. Je l'ai fait. Il va falloir qu'on bouge en même temps, puisqu'on va déposer des trucs à nos pieds. Là, on bouge en même temps. Ça va être un bordel, ça. Il faut qu'on essaie de se pack au plus possible sur Exe lorsque t'as la phase où on va partir ensemble. Il faut qu'on mette les trucs au même endroit. Ok. Là, je suis de gauche. Ok, parfait. Il faut pas prendre les deux, du coup. Non, jamais. Voilà, hop, on met des boules. Vas-y, je déplace. Pas trop qu'on soit de pas paquet en fait. Je reste dedans. Vas-y. Alors, je comprends pas moi l'orbe. Prends un peu, monsieur, j'ai du mal. Je vous dirai après. Quand on a 4 secondes qu'il faut sortir ou quand on... Non, t'inquiète, ouais c'est ça. Je vais vous expliquer après l'orbe, j'ai capté... Je serais pas trop pack pour l'orbe. Non mais il est sympa le du poste hein. Non, je suis d'accord. Je reste dedans. En même temps, c'est notre évoqueur, il fait 0 DPS. Bien sûr. Ah oui. Cliquez-moi du groupe s'il vous plaît. Et insultez-moi que je puisse mettre un même sur le net. Oui. On serait célèbre. Ouais, faut qu'on aille au milieu après hein. Ouais, pas trop le choix. Je reste dedans. Attention, on bouge, hein, vous savez pas dans la zone. C'est dans le milieu. Ah mais c'est bon. Ah merde, non, du coup j'étais gaffe là. Attends, non, pas maintenant. C'est bon, t'inquiète. En fait, c'est bon, ça se clean au fur et à mesure. Ouais. Mais ça se clean vraiment genre au dernier moment. Ouais, mais c'est Je reste dedans, Okay. Désolé, par contre, je suis tantôt avec Zé, j'ai pas le choix. Bah, les gars, putain, là. Tu vas te prendre le saut. Ouais, c'est moi qui ai merdé. En fait, j'ai sauté au moment où il a fait pop et. Fallait me dire, moi j'étais à côté de la ouais, zone. Ouais, t'aurais dû prendre la limite. Je te dis que tu peux pas, je prends la zone. Ah, cette phase elle est un peu stressante. C'est la dernière phase, quoi. Ok, ok, il est fine. Juste vite fait pour les sphères, en gros ce qui se passe c'est que... Ouf, quand la sphère apparaît,
tant que quelqu'un est dans la zone, la sphère ne bouge pas. Quand tu sors de la zone, elle tombe. Ouais, quand tu sors de la zone, elle tombe, et en tombant, elle va mettre un debuff qui dure 4 secondes, qui est un dot qui fait des dégâts. C'est pour ça qu'en gros, il y en a un qui reste dans la sphère pour tempo pendant les 4 secondes où on a le premier debuff, et après il se décale pour faire péter le deuxième debuff. Ça permet d'avoir qu'un stack. C'est ça.